à la maison familiale de Saint-Aubin-d'Aubigné. La maison familiale de Saint-Aubin-d'Aubigné a été créée il y a 60 ans. Il s'agit d'une association gérée par un conseil d'administration constitué par des parents d'élèves. Notre structure est une structure à taille humaine. Nous accueillons 110 jeunes en formation initiale et une vingtaine de jeunes en formation continue. Il y a 90% d'internes, ce qui facilite le travail personnel et la convivialité entre les jeunes. Ce que j'aime à la MFR, c'est l'internat, ça nous permet d'être libres. On est sans les parents et on est entre nous. La formation 4e-3e consiste à proposer aux jeunes de découvrir des métiers, de réaliser leurs projets en allant directement en entreprise vivre des stages. Alors, ça se passe par le biais de l'alternance, 15 jours de cours, 15 jours de stage, et ceci tout au long de l'année. Les maisons familiales ont axé leur pédagogie sur l'appel au vécu, c'est-à-dire que les jeunes vivent leur expérience et apprennent de leur expérience. Bonjour, moi je me nomme Sofiane Rachad, je suis le PDG de la mini-entreprise Caramel d'Or. En fait, c'est une entreprise dans laquelle nous allons faire du caramel au beurre salé sous différentes formes, caramel mou, caramel en pot et d'autres idées que nous avons. Voici donc les différents membres de l'entreprise. Je m'appelle Quentin, je suis directeur de la production. Je m'appelle Corentin, je suis le directeur commercial. Mélanie, directrice générale de la mini-entreprise. Solène, directrice communication et marketing. Priscilla, directrice financière. Jonathan, directeur administratif. Louis, directeur du Stafat. La finalité des 4e-3e est donc pour nos jeunes de partir ensuite soit en apprentissage ou de poursuivre leurs études pour finaliser leur projet et s'épanouir dans le milieu professionnel qu'ils ont choisi. Le bac pro service aux personnes et aux territoires est une formation donc qui débouche sur un bac, c'est-à-dire un niveau 4, qui permet d'accéder donc à des concours type concours d'infirmier, concours d'éducateur de jeunes enfants ou alors concours d'aide-soignante, auxiliaire de puériculture, mais aussi sur des dispositifs de formation plus longue type BTS ou IUT. Cette formation alterne période de stage et période de formation. Les stages auprès d'enfants, de personnes âgées, à domicile ou en structure, auprès de personnes handicapées, permettent d'acquérir une solide expérience professionnelle puisqu'ils durent en moyenne 6 semaines. Je suis actuellement en stage à l'EHPAD de Saint-Aubin-d'Aubigné tout en étant en alternance avec la MFR. 2 semaines de cours, 2 semaines de stage. J'ai choisi cette formation afin de pouvoir accéder à l'école d'aide-soignante pour devenir aide-soignante. Donc au final, sur ces 3 années de formation du dispositif qui est le bac pro, vous aurez 60 semaines de stage donc réparties sur les 3 ans, donc à hauteur de 20 semaines de stage par année de formation. Nos formations en restauration sont des CAP cuisine, CAP restaurant, donc des formations en 2 années, en alternance sous statut de contrat de professionnalisation, donc 25 semaines de formation en centre au sein de la maison familiale et tout le reste du temps en entreprise. Donc nos jeunes ont la possibilité de poursuivre leur formation en bac pro, BP, voire mention complémentaire, que ce soit pour les serveurs en barman, sommellerie, voire pour les cuisiniers, mention complémentaire des serveurs de restaurant. Ils ont la possibilité également d'entrer dans le monde du travail en direct à l'issue de cette formation. Nous proposons également sur le site de la maison familiale de l'accompagnement à la VAE, validation d'acquis par expérience, des formations tuteurs ambassadeurs des métiers et également des formations interprofessionnelles sur l'hygiène, les risques en cuisine et en restaurant, ainsi que sur les entretiens annuels professionnels. Nous cherchons également à développer les formations continues afin de répondre le mieux possible à vos besoins et aux besoins du territoire. À la MFR, on est conseillé dans notre orientation. Nous avons aussi la volonté au sein de la maison familiale de Saint-Aubin-d'Aubigné de moderniser les locaux afin qu'ils répondent plus à vos besoins ainsi qu'aux besoins de nos partenaires de stage.